Bonjour, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette discussion organisée par l'Office national du film, l'ONF, pour parler dans le cadre du mois d'histoire des Noirs. Alors, je me présente, mon nom est Carla Beauvais et je vais être votre animatrice aujourd'hui. Je vais me présenter brièvement à vous. Je suis coordonnatrice du mois d'histoire des Noirs depuis 12 ans maintenant et aussi directrice générale de la Fondation Dynastie, qui est un organisme qui aide au niveau, ben, en fait, qui fait de la sensibilisation au niveau de la représentativité des personnes noires dans le domaine de la culture et aussi des médias. Donc, ça fait 6 ans que l'organisme existe et on va bientôt faire justement avoir notre 6e édition qui va se passer prochainement. Je profite pour vous souhaiter un joyeux mois d'Histoire des Noirs. Il y a beaucoup d'activités à la programmation et j'espère que vous allez pouvoir avoir la chance d'en profiter et de faire de belles découvertes. Aujourd'hui, c'est l'Office national qui nous reçoit et on peut dire que l'Office national, c'est un producteur public de contenus qui reflète la diversité du Canada, des contenus qui intéressent l'ensemble de la population canadienne. La collaboration est au cœur du mode de fonctionnement de l'organisme. En travaillant avec des créateurs et des créatrices noires, l'ONF propose des récits uniques et que les Canadiennes et les Canadiens de partout ont besoin de voir en plus grand nombre. L'organisation fait valoir la richesse de la culture, du vécu et des points de vue des communautés noires partout au Canada, d'Africville à Amber Valley, au moyen d'histoires qui ajoutent à la compréhension collective des gens de ce pays. La discussion d'aujourd'hui avec les panélistes porte sur leur santé et surtout leur bien-être en tant que cinéastes noirs. Avant de passer justement à cette discussion, j'inviterai Monsieur Claude Jolicoeur, président de l'ONF, à nous adresser quelques mots. Merci Carla. Bonjour à tous. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Le mois d'Histoire des Noirs, c'est l'occasion de souligner la contribution exceptionnelle, passée et présente, des communautés noires à tous les secteurs de la société canadienne. Les histoires racontées sont le fruit du talent et de la vision des créateurs et créatrices qui travaillent avec nous à l'ONF. C'est grâce à toute l'équipe et à ses nombreux collaborateurs que ces œuvres peuvent être vues et diffusées. À l'ONF, nous nous sommes engagés à faire valoir la richesse de la culture, du vécu et des points de vue des communautés noires, et cela chaque jour de l'année. Afin d'appuyer nos efforts, j'ai présenté l'an dernier, en février, il y a un an, notre plan en matière de diversité, d'équité et d'inclusion, qui comporte des engagements et des objectifs visant à nous aider à devenir une organisation plus ouverte et plus diversifiée. Cette vision du changement à l'ONF nous exhorte à éliminer le racisme systémique et les préjugés inconscients à l'échelle de notre organisation. Elle témoigne de notre volonté de mieux refléter le vrai visage du Canada à divers égards, notamment au sein du personnel, en privilégiant la diversité, l'équité et l'inclusion dans toutes nos décisions d'embauche, ainsi que par les créatrices et créateurs avec lesquels nous travaillons et par la nature de leur récit. La création d'un nouveau poste à l'ONF, celui de directeur ou directrice diversité, équité et inclusion, a constitué un aspect fondamental de cette démarche. Rachel Descostes est notre nouvelle directrice, notre toute première leader stratégique au chapitre de la diversité. Elle possède une riche expérience à titre de leader et d'agent de changement. Nous avons de la chance de la compter parmi nous pour nous guider sur la voie de l'évolution. Je vous prie d'accueillir Rachel Descostes. Merci Claude. Bonjour à tout le monde. C'est un honneur d'être ici avec vous. Aujourd'hui, l'ONF réunit des créatrices et créateurs noirs qui nous feront part de leur vécu et de leur point de vue. Ils se pencheront sur le thème du mois de l'histoire des Noirs de cette année et amorceront une réflexion plus large sur le racisme, le militantisme et les problèmes auxquels se heurtent les Canadiennes et Canadiens noirs à la longueur à l'année longue. Dans le cadre de nos célébrations du mois de l'histoire des Noirs, l'ONF lance également son tout premier guide pédagogique sur l'histoire et sur la vie des Canadiennes et Canadiens noirs, intitulé Découvrir les communautés noires du Canada grâce au cinéma. Ce guide constituera un nouvel outil formidable pour sensibiliser les élèves à ce que vivent les Canadiennes et Canadiens noirs. Mon travail consiste notamment à m'assurer qu'il y a davantage d'initiatives comme celle-ci afin que l'ONF puisse être un agent de changement. Voilà la raison de ma présence ici. Je veux aider à mettre en œuvre ce changement.
L'ONF est ravie d'organiser cette discussion sur la santé et le bien-être des communautés noires, vue à travers les yeux des cinéastes. Merci aux réalisatrices et réalisateurs qui participent à cette discussion, ainsi qu'à vous tous et toutes qui êtes ici aujourd'hui. Merci Rachel, merci Claude d'avoir été avec nous aujourd'hui. On va poursuivre la conversation et j'inviterai maintenant les cinéastes à se joindre à nous. Alors, vous pouvez allumer vos caméras. Est-ce que tout le monde est là? Je vois tout le monde. Alors, bonjour tout le monde. Je vois que Will a vraiment un beau background. Donc, je vais vous demander de vous présenter brièvement chacun et chacune avant qu'on commence la conversation. Vous avez environ 1 à 2 minutes maximum pour le faire. Donc, on va commencer tout de suite avec Nadine Valsin. Bonjour Carla. Je suis heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Je suis une cinéaste et une artiste médiatique basée à Toronto. Je fais du film expérimental, de l'installation, du documentaire et plus récemment de la 3D et de la réalité virtuelle. J'ai fait plusieurs films avec l'ONF, mais je développe présentement un documentaire interactif qui s'appelle Lendemain urbain et qui examine la crise du logement et comment et l'impact que ça a sur chacun de nous et aussi dans le contexte de la financiarisation du logement qui a lieu à l'échelle globale. Et c'est clair que, en fait, les communautés racisées et marginalisées sont impactées plus fortement par cette crise-là et que c'est vraiment le logement est un droit et d'avoir un logement sain et sécuritaire est à la base, en fait, de pouvoir établir une vie et avoir une santé mentale saine. Merci. Merci beaucoup, Nadine. On va poursuivre avec Michelle Stephenson. Bonjour, bonjour Carla. Bonjour, j'ai un honneur d'être ici. Je suis cinéaste, travaille en 2 dimensions ainsi que 3 dimensions aussi. Je travaille en virtuel, en réalité virtuelle, documentaire et fiction. Et je suis basée à Brooklyn, grandie dans les cantons de l'Est du Québec. Et je suis très contente d'être ici, merci. Et mon dernier long métrage a été produit avec l'ONF, s'appelle Apatride. Merci beaucoup, Michel. Donc, un documentaire qui a fait beaucoup, beaucoup parler ces derniers temps, justement, avec toute la crise qui se passe dans notre pays d'origine. Donc, félicitations. Alors, on va poursuivre tout de suite avec M. Will Prosper. Merci Carla, c'est un honneur pour moi d'être ici, surtout avec toute cette belle brochette de réalisatrices. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup d'œuvres que les Canadiens et Canadiennes devraient voir, surtout parmi les gens qui sont déjà ici présents. Anyways, je vais me présenter. Moi, je suis Will Prosper, je suis réalisateur. J'ai réalisé dernièrement le film Kembela jusqu'à la victoire. Avec l'ONF, donc c'est un film qui est un portrait sur une personne qui était complètement inconnue et on essaie de rentrer dans son univers pour découvrir c'est un peu quoi cette réalité-là d'être une personne noire et de subir le cancer, mais de subir aussi une forme de dépossession de son île, de où est-ce qu'on provient, de nos origines, donc c'est de voyager à travers tout ça. Et prochainement, je vais avoir la chance de travailler sur un autre documentaire avec l'ONF en coproduction sur l'histoire de Freddy et tous les impacts que ça a eu au sein de la société québécoise. Merci beaucoup, Will. On sait que ce n'est pas un projet qui a été facile à faire approuver, donc félicitations d'avoir pu le porter jusque-là. On va poursuivre avec Valérie Bas. Salut, un plaisir d'être ici. Je suis cinéaste basée à Montréal et aussi auteur. Et puis mon dernier projet avec l'ONF était un court-métrage sur la condition des femmes noires et racisées qui travaillent dans le milieu de la santé et surtout dans un contexte de la pandémie. Donc
avec ma co-réalisatrice Tatiana Zingabota, qui n'est pas ici aujourd'hui. On a évoqué un peu les parallèles ou une continuité historique quand il s'agit de, du travail, de, du labeur des femmes noires au Canada. Oui, plaisir. Merci Valérie. Et je tiens aussi à souligner, avant de passer à Gentil, que Will et Valérie, vous êtes tous les deux en nomination au Gala Dynastie, donc félicitations pour votre excellent travail. Je suis vraiment contente de voir que votre travail est honoré de cette façon. Et donc, pour terminer les présentations, ça va être au tour de Gentil et Massy de prendre la parole. Oui, bonjour et merci pour l'invitation. C'est tout un honneur d'être avec vous tous ici aujourd'hui. Je m'appelle Gentil M. Assi. Je suis réalisatrice et productrice aussi. Et mon dernier film, long métrage, produit par l'ONF, s'appelle Sortir de l'ombre, qui parle de femmes comme moi qui sont venues au Canada, qui viennent de l'Afrique de l'Ouest et qui ont connu de la violence conjugale. Donc, pour moi, mon travail, de façon générale, en documentaire, c'est ça, c'est d'aborder des questions, des réalités de personnes noires. Quand je dis noire, l'aspect culturel est très important pour moi, de partir de la culture d'origine pour montrer la richesse de comment on peut trouver aussi des solutions en puisant de ce qu'on a, de nos origines, et bien qu'on soit en territoire d'immigration au Canada ici. Donc voilà, et je vous remercie. Merci, Gentil. Un film très touchant. Félicitations encore. Donc, on va passer au vif du sujet de notre discussion aujourd'hui. On parle de santé et de bien-être. Vous avez tous, d'une certaine façon, dans votre travail, un certain militantisme, je dirais, et une certaine vision du monde, et vous tenez vraiment à partager cette vision-là. La première question que j'aurais pour vous, c'est au niveau de la représentation. Est-ce que, à votre avis, votre travail enrichit la discussion et le besoin de représentation dans l'industrie canadienne du cinéma et de la télévision? Est-ce que vous voyez un lien entre la représentation au cinéma et à la télévision et l'incidence de cette représentation sur la santé mentale? Donc, est-ce qu'il y a vraiment un impact par rapport aux images qu'on voit sur notre santé en tant que communauté? Et je lancerai cette première question à Nadine. On va y aller avec Nadine pour commencer. C'est clair qu'il y a un lien. Je veux dire, moi, j'ai grandi, je suis peut-être l'aînée du groupe, et j'ai grandi avec très, très peu d'images de la communauté noire, sur des personnages noirs à l'écran. Et c'est difficile quand on ne se voit pas, quand on est invisible, quand on sent que notre expérience, en fait, ne fait pas partie du dialogue autour de ce que c'est d'être canadien, en fin de compte. Puis je trouve que, tu sais, même maintenant, ça continue à s'améliorer, mais en fait, je travaille sur un autre projet de documentaire, puis je me suis rendu compte, en fait, que, selon moi, depuis les années 60, tu sais, comme à part Rebelle de Kim Nguyen, il n'y a pas de femme noire qui a tenu un rôle principal dans un long métrage. Tu fais comme, wow! Tu sais, c'est assez incroyable. Donc, les choses vont en s'améliorant doucement. Mais tu sais, je pense que chaque, puis j'ai vu les films de mes collègues, puis je pense que chaque documentaire est un combat et comme un pas en avant dans cette continuité-là, puis qu'on a encore beaucoup de chemin à faire. Merci beaucoup, Nadine. Et je lancerai la parole aussi à cette question à Will, parce que justement, dans ton introduction, Will, tu parlais d'avoir fait un film sur un parfait étranger. Donc, des histoires, une histoire qu'on n'a pas nécessairement l'habitude de voir à l'écran. Et donc, ce besoin de représentativité aussi du type d'histoire. Ce n'est pas nécessairement juste l'aspect communauté, mais l'aspect aussi du type d'histoire qu'on peut raconter. Will, qu'est-ce que tu pourrais dire là-dessus? La question est
question est excellente. Et puis, j'irais même en commençant en disant, c'est comme moi, plus jeune, je n'avais pas d'exemple de réalisateur ou réalisatrice issue de communauté noire sur qui je pouvais m'inspirer. Donc, juste de savoir que je pourrais professer ce métier-là un jour, ça ne faisait même pas partie des choix ou des possibilités dans mon univers à moi personnellement. T'sais. Et ça, ça fait en sorte que tu as un certain retard quand tu te lances comme réalisateur et réalisatrice, parce que si tu ne sais pas que ça existe, ben à ce moment-là, tu vas avoir beaucoup plus de recul. Quand je pense à des gens qui ont le bénéfice d'avoir des gens dans leur entourage, des connaissances, puis on va parler des Denis Villeneuve, des Xavier Dolan, tout ce monde-là. Il y a des personnes qui vont se reconnaître chez eux déjà, puis ils disent « Ah, ben moi, je peux être cette personne-là, tu sais. » Moi, je n'avais pas de gens dans mon entourage qui étaient dans cet univers-là. Aujourd'hui, il y en a beaucoup plus, tu sais. Je suis content d'en voir, tu sais. Je pense à Ava Duvernay, ainsi de suite, puis je pense aux réalisateurs qui sont ici présents. Et j'espère qu'on va en avoir plus, parce que ce n'est pas seulement de se voir comme acteur, comme actrice, mais c'est aussi de se voir comme cadreur, réalisateur, bon, comme arrière-scène, direction photo. Donc, il y a toutes ces possibilités-là. Maintenant, c'est aussi des sujets qu'on va mettre de l'avant, tu sais. En tant que personne noire, moi, je me souviens pour le film qui raconte le portrait d'Alain Philoctet, une des questions qui m'avait été posée depuis le début, c'est pourquoi on ferait un film sur lui? Parce que quand on fait des films pour des personnes noires ou sur des personnes noires, il faut que ça soit des personnages hors nature, tu sais. Faut que ça soit des Martin Luther King, des Angela Davis, faut que ça soit des Michael Jean, faut que ça soit des gens là qu'on dit « Ah, ben eux, ils méritent un film. » Tandis que quand on voit les autres types de documentaires qui sont faits partout à travers le Canada, moi, j'en regarde plusieurs, tu sais. Il y a un paquet de personnes inconnues. Mais nous, on a quand même ce stigma-là de se dire « Bon, ben on peut pas faire un film sur une personne qui est parfaitement inconnue. » Donc, juste ça, en soi, c'est tout un combat à mener pour faire comprendre que c'est essentiel qu'on puisse voir un monsieur, madame, tout le monde de notre communauté, de montrer la richesse que cette personne-là amène à l'écran. Et avec ce film-là, mais je pense que c'est ce que j'ai réussi à accomplir grâce aussi à Alain, qui est un personnage plus grand que nature. Et on finit par tomber en nature, puis on finit par se reconnaître, puis on finit par dire « Ah, OK, ben voici, eux aussi, ils passent à travers ce type d'histoire-là, de challenge, de réalité. » Et quand je le diffusais à des endroits comme Rwanda, Rimouski, il y a des gens qui se reconnaissaient là-dedans, autant qu'à Montréal. Donc, je pense que c'est important d'avoir ce type de représentation-là, qu'elle soit multiple et diverse. C'est ça. Donc, une représentation, bien évidemment, à l'écran, derrière la caméra aussi, et une diversité aussi dans le type de contenu et d'histoire qu'on raconte. Donc, on met souvent l'accent sur ce qu'on voit à l'écran, mais il y a quand même beaucoup à faire avant de voir ça à l'écran, justement. Donc, de pouvoir mettre de l'avant les cinéastes, les réalisateurs et les métiers aussi associés à l'industrie du cinéma. Puis, si je peux juste ajouter rapidement, il y a aussi l'affiche, si on regarde l'affiche qui a été mise là-bas. Moi, il y a des gens, puis je pense que tout le monde parle ici, pense ça aussi. Moi, il y a des gens que j'admire énormément dans notre communauté qui sont des personnes qui ont un génie créatif incroyable, qu'on voit depuis longtemps. Mais il y a un paquet de gens qui ne les connaissent pas. T'sais, je pense à Jenny Salgado qui a fait la musique du film Quimbella. Ça fait des années qu'elle professe la musique, c'est une musicologue, mais elle n'était pas trop connue dans cet univers-là. Puis une fois qu'on a pu travailler avec elle, bien, c'est de la faire percer dans ce milieu-là pour que les gens puissent la reconnaître. C'est la même chose pour la cadreuse, tu sais. Il y avait Vanessa. Fait que c'est tout ça aussi. Donc, je suis désolé, j'ai arrêté là-dessus, mais je pense que c'est important. Merci. Je voulais juste ajouter une chose à ça parce qu'il y a un aspect encore plus important ou aussi important, c'est qui donne le feu vert pour que Will n'ait pas à se justifier, pour que moi, je n'ai pas à me justifier parce que vous ne connaissez pas cette histoire. Donc, il faut, au niveau du pouvoir, de qui donne le feu vert, qu'il y ait une diversité là, une diversité de représentation, diversité d'expérience, à qui a la poche pour dire oui ou non à certains projets. C'est pas que, c'est lorsqu'on aura vu cette diversité à ce niveau-là, quand vraiment on aura pu atteindre un niveau où on peut voir non seulement une diversité de représentation, mais une diversité dans la représentation de nos histoires. C'est un point très, très important et ça me fait penser aussi à tout l'aspect du financement. Ça, on pourrait en reparler plus tard aussi, mais il y a vraiment toute une représentation qui est nécessaire dans les différents jurys. Les gens qui choisissent les sujets, les projets qui sont financés ou non. Donc, il y a vraiment, c'est sur toute la ligne, en fait, que cette représentation doit être présente. Je ne sais pas si, Gentil, tu voulais rajouter quelque chose sur cette question, et sinon, on passe à la prochaine. Mais oui, ce que Michelle dit m'interpelle vraiment. Je suis parfaitement d'accord avec elle parce que tout part de là. Des créateurs qui veulent présenter du contenu qui met de l'avant la diversité devant la caméra et derrière la caméra.
y en a beaucoup et ils n'arrivent pas jusqu'au bout de leur projet simplement parce que au niveau des décisions, ben, on ne leur donne pas cette permission. C'est soit parce que ce n'est pas le bon sujet, la personne n'est pas assez importante pour mériter d'être mise de l'avant, comme Will l'a dit tout à l'heure, et comment appelle-t-on, l'histoire n'est pas assez dramatique pour que ça vaille la peine d'en parler, parce que malheureusement, jusqu'à présent, j'ai ce sentiment-là que quand on veut parler de la diversité, quand on veut donner cette permission de mettre de l'avant une histoire de personnes issues de la diversité, c'est plus intéressant pour les médias que quand c'est du drame, quand c'est des malheurs, quand c'est pour venir souligner les difficultés. Et je me dis, quelque part, il faut aussi qu'on comprenne que la diversité, c'est aussi toute la vie, tout ce qu'il y a de bon à montrer aussi, tout ce qu'il y a de difficile, mais aussi de bon. Et c'est ça qui vient enrichir. Puis je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'histoires à raconter, il y a beaucoup de choses à rattraper, en contenu comme en contenant. Et je prends un peu les devants en disant, malheureusement, il y a encore des médias aujourd'hui. Je le dis parce que je travaille aussi en télé comme productrice et malheureusement, il y a encore des médias qui tiennent encore des discours en arrière dans la façon dont ils choisissent les projets. Et quand on vient de la diversité, on doit avoir 3 fois le courage pour se faire accepter, pour avoir l'autorisation de raconter certains types d'histoires. Merci, gentil. Et ce que vous dites présentement, ça me fait penser à 1000 questions en même temps. J'ai plein de questions pour vous et j'imagine que c'est le cas pour les gens qui nous écoutent aussi. Donc, je les inviterai à ne pas hésiter à mettre leurs questions dans le chat et on les posera à la fin, pendant la période des questions avec le public. Donc, n'ayez pas hésité, si vous avez des questions, de les mettre sur le chat. Gentil, ce que tu as dit, c'est vraiment important et ça m'emmène vers la prochaine question. Vous avez parlé des défis que ça comporte de pouvoir juste faire un film, de pouvoir raconter une histoire. Et il y a beaucoup de gens qui nous écoutent aujourd'hui qui ont envie de se lancer dans cette industrie-là et de vivre de ce métier peut-être et même d'explorer cette possibilité-là. Ça serait quoi les conseils et astuces que vous pourriez donner à des cinéastes qui en sont à leur début, pour trouver des moyens de trouver des ressources ou bien d'évoluer dans l'industrie? Est-ce que vous pouvez même parler de ce que vous avez fait? Comment vous avez pu naviguer à travers cette industrie-là pour être où est-ce que vous êtes aujourd'hui? Et pour répondre à la question, je lance la balle à Nadine pour commencer. À Valérie, pardon. À Valérie. Puis, je m'excuse. Hein, je pense que j'étais... absorbé dans les dernières réflexions. Est-ce que tu pourrais répéter la dernière partie de cette question, s'il te plaît? Oh, c'est quoi les astuces ou les conseils que vous pourriez donner à des gens qui veulent se lancer dans le milieu du cinéma, dans l'industrie du cinéma? C'est quoi les diverses voies qu'ils peuvent emprunter pour percer dans le métier? Ouais. Basé sur votre expérience. OK. Je serais tentée ici répéter ce qu'on m'a raconté quand je commençais, et puis je suis toujours dans mes débuts, soyons clairs. Mais j'ai l'impression que, quoique bienveillant, je pense que quand il s'agit de des conseils comme les conseils les plus répandus qu'on entend, qu'on donne, surtout aux artistes émergents, je pense que ça renvoie toujours à aux questions industrielles, au capitalisme, à un genre de un perfectionnisme qui peut, j'ai l'impression, saboter un peu comme une vie artistique, la vie d'artiste plus libre, plus disons concentré sur les questions qu'on se pose. Donc je dirais que ça peut aider
s'entourer d'autres professionnels, faire les écoles de cinéma ou je ne sais quoi, mais j'ai l'impression que quelque chose que j'aurais aimé entendre depuis le début aurait été plus dans l'ordre de comment, par exemple, prendre soin de soi-même, comment bâtir sa communauté, comment se présenter dans le milieu avec une genre d'authenticité, ce qui veut dire des fois ne pas avoir le mot parfait à dire ou le pitch parfait. Je pense que on fait beaucoup de et j'ai l'impression que ça peut faire un peu de mal à nous-mêmes et puis aux autres, comme essayer de formater les artistes pour en faire des professionnels. Je pense que quand j'entends la professionnalisation de artistique comme un genre de but en soi, je pense que ça m'inquiète parce que au fond, on a tous la capacité de se poser des questions, plonger dans nos mondes intérieurs, de vraiment partir dans la quête de l'autre. Et ce sont des choses qui sont intrinsèquement humaines, là, comme, qui sont juste des capacités humaines, mais je pense que c'est le système capitaliste qui nous demande de créer des boîtes, de créer des catégories, des échelons pour, où certaines personnes sont validées, certaines non. Et puis, Will l'avait évoqué, des gens qui font du beau travail, comme qui font qui produisent de leur cœur, mais qui ne sont pas reconnus. Et je pense que si on s'attend à ce que la reconnaissance soit comme le but final, je pense qu'on, bien que c'est une très belle chose, mais je pense qu'il y a quelque chose qui me manque et que j'aimerais appeler à qui est-ce que je m'adresse, même je sais pas, à notre communauté, à se demander comment je retiens beaucoup l'aspect authenticité, de rester authentique en fait, parce que souvent les gens se plient au format et pour essayer justement de percer, on finit par faire des choses qui nous tentent moins. Donc je vois aussi dans ta réponse cet aspect de rester authentique à ce qu'on veut faire, à ce qu'on veut raconter et de rester focus sur ce qu'on a envie, sur la partie intérieure qu'on a envie d'exprimer à travers ces créations. Bien que je comprends que les formats, le polish, ça mène au fond, au financement, au soutien, aux ressources. Mais je pense qu'il y a quelque chose à l'intérieur, c'est comme comment bâtir nos intérieurs, comment bâtir nos le contenu même là, comme avant les containers. Merci beaucoup Valérie. Je peux peut-être parler à Nadine justement sur cette question au niveau. Il y a Will qui a levé la main, donc je vais. Non? J'avais ta main. Alors je vais passer la parole à Nadine par rapport aux astuces, aux conseils qu'on peut donner aux gens qui veulent percer dans ce métier. Ben, je suis d'accord avec ce que Valérie a dit en termes d'essayer d'établir sa propre voix, puis ce qu'on veut vraiment dire. J'ai travaillé longtemps en télé, puis je pense qu'à un moment donné, récemment, par des résidences d'artistes, je suis revenue à faire des petits projets expérimentaux, mais qui m'ont vraiment, comme refocussé ce que je voulais dire et comment dire. Puis qui ont été des projets très, très personnels dont je suis très fière. Fait que je pense qu'un des avantages qu'il y a aujourd'hui, c'est que les moyens de production comparés à quand j'ai commencé en film, c'est que les gens peuvent tourner quelque chose avec leur iPhone. T'sais, c'est un peu un cliché, mais tu peux tourner quelque chose avec un iPhone ou avec une caméra très, très simplement. Avec pas beaucoup de budget, puis de pouvoir, ça te donne les moyens, en fait, d'explorer. Je pense,
à l'extérieur des cadres qui sont institutionnels. Puis je pense à ce que Will a dit avant aussi, à partir de la diversité. Tu sais, c'est comme travailler en... C'est pas juste d'être réalisateur, c'est travailler en documentaire. Il y a plein de métiers, preneur de son, que ce soit un directeur photo, que ce soit de la musique. Fait que je pense que c'est aussi important de se construire une communauté de gens, tu sais, que ce soit des producteurs, que ce soit tu sais, des techniciens qui croient en notre vision puis sur lesquels on peut compter. Je pense beaucoup plus de ces temps-ci à l'idée de communauté puis de former des groupes, en fait, où on peut s'entraider entre cinéastes pour faire des petits projets, puis pour faire avancer les autres. Puis je trouve que c'est super important. Puis c'est super important aussi d'avoir des gens avec qui tu peux travailler, que ce soit, tu sais, au niveau du son, qui comprennent ta réalité puis qui sont ouverts à ça. Fait que je dirais la communauté, c'est super important. Merci beaucoup, Nadine. La prochaine question, je vais la poser directement à Michel et à Gentil. J'ai eu la chance de voir vos films et c'est des films dont les sujets sont très, très durs, prenants au niveau émotion. Je pense que ça vient vraiment nous chercher et nous, on le voit pendant une heure et demie. Là. Vous travaillez pendant des mois sur ces projets-là, donc vous êtes vraiment investi dans vos films. Au niveau santé mentale, au niveau le thème aujourd'hui, c'est de parler de santé et de bien-être. Et je pense qu'il y a beaucoup de cinéastes qui font des films qui sont pris dans leurs histoires. Et quand je pense à vos deux films, je me dis que ça devait être difficile de faire ces films-là. Donc, comment vous prenez le temps de prendre soin de vous? De garder une certaine santé mentale, si on veut, et de ne pas sombrer nécessairement dans le quotidien de les histoires que vous racontez. Donc, on va commencer avec Gentil, et ensuite, on parlera à Michel. Et s'il y a d'autres personnes qui veulent répondre, vous êtes vraiment bienvenue. C'est une belle coïncidence. Et cette question-là tombe à point pour moi parce que je suis arrivée de Rimouski hier. J'étais allée visiter une amie, justement, qui, par le hasard des choses, est en train de prendre soin de ma santé mentale. Parce que, oui, avoir travaillé sur ce film-là a été beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions et tout. Et je ne me suis même pas rendue compte qu'il y avait une fatigue émotionnel qui s'était accumulé. Et heureusement que j'ai découvert cette personne, Jeanne-Marie Rugira, merci, et qui est docteur en psychosociologie, enseignante à l'Université de Rimouski. Tout ça pour vous dire qu'effectivement, et émotionnellement, c'est très prenant de travailler sur un sujet qui parle de personnes noires dans une société où c'est déjà un gros combat de vouloir prendre la parole et de dire des choses et de parler aussi d'un sujet très délicat qui touche tout le monde finalement de façon émotionnelle, qui touche tout le monde. Et c'est encore émotionnellement difficile quand il faut, comme Will l'a dit tout à l'heure, justifier du pourquoi c'est important de donner cette parole-là à pas des personnes qu'on considère comme héroïne dont l'histoire vaut la peine d'être racontée ou dont, comment on appelle ça, historiquement, l'héroïsme n'a pas été prouvé. Donc, c'est beaucoup de choses en même temps à porter pour un projet. J'ai été très chanceuse d'avoir rencontré la productrice de l'ONF, Nathalie, qui, dès le départ, m'a donné cette permission. Que Michel dit, cette permission de vouloir croire en ce projet, de dire c'est possible de raconter et d'avoir cet accompagnement-là. Donc, j'ai eu quand même une belle
une belle équipe autour de moi qui m'a aidé à tenir tout le long du projet. Donc, au niveau de, en parlant de santé mentale, chaque fois que j'allais en tournage, chaque fois que je revenais et qu'émotionnellement, je ne pouvais pas, pendant la post-production, j'avais l'équipe de l'ONF, c'est ces femmes-là, qui étaient quand même à l'écoute, sans le savoir, mais qui me permettaient de ventiler des fois quand j'en pouvais plus, de pouvoir prendre du recul pour revenir. Ce qui n'aurait pas été possible peut-être si je travaillais avec, dans le rythme télévisuel ou de cette industrie où tout est réglé par des calendriers, des dates de diffusion et tout, au point où on oublie que des fois on a besoin de digérer l'émotion pour pouvoir avancer, pour faire des pas. Donc oui, ça prend toute une équipe, ça prend que et les décideurs, et les personnes concernées elles-mêmes, ça prend aussi sur nous, et en tant que créateurs, de savoir penser à nous pour nous donner la chance de réussir le projet. C'est une équation difficile, mais ça prend ça aussi, et de savoir prendre soin de nous. Et c'est ce que je suis en train d'apprendre actuellement. Je n'aborderai pas plus les sujets tels que je les fais, pas que je ne ferai pas ce genre de film-là, mais ça a été tout un apprentissage. Et je suggère vraiment à beaucoup de créateurs, surtout de la diversité, de savoir que mentalement, c'est difficile, mais c'est possible. C'est possible, c'est juste un apprentissage de plus. Et on y arrive. Merci, gentil. Michel? Oui, bon, je suis complètement d'accord avec ce que Gentil a dit. Je pense que la seule chose que j'ajouterais, bon, il y a plusieurs niveaux à ça. Premièrement, je voulais revenir à cette question de communauté, hein, que la communauté est à la base, pour moi, de cette thérapie, de ce processus, de la pratique, de pouvoir, comment on dit ça, « unpack », l'expérience que je suis en train de vivre. Mais donc, il y a une question de différentes communautés qui viennent à mon appui, mais aussi que moi, je dois être reconnaissante aussi de la relation de pouvoir que j'ai avec, avec le sujet, avec les protagonistes, avec les gens avec qui je collabore. Donc, pour moi, c'était essentiel de premièrement faire attention à ça et de créer une communauté dans la pratique, que ce soit en République dominicaine où je travaillais ou en Haïti en tant que femme d'origine haïtienne de peau claire qui est privilégiée dans cet environnement, comment je crée une communauté de confiance, comment j'appuie une communauté de confiance où il y a une thérapie non seulement pour moi, mais pour tout le monde en fait qui est impliqué. Et je pense qu'avec le travail qu'on a fait avec Rosa Iris et d'autres personnes qui étaient, ça, on a réussi à un certain niveau. Et c'est un peu, comment on dit ça, c'est repousser contre l'origine extractive du documentaire. Je pense qu'on ne peut pas s'en sortir de ça sans vraiment le questionner au jour le jour. Donc, il y a cet aspect. Et puis pour moi, en fait, le fait de faire, je suis dans le cinéma, je suis dans les sujets que je travaille, que je choisis, c'est une forme de thérapie du vécu que j'ai grandissant au Canada, fille d'exilée, etc. Donc, ça devient en tant qu'artiste une propre thérapie en tant que telle, mais une thérapie qui doit vraiment prendre en compte les relations de pouvoir et la collaboration. Donc, pour moi, j'essaie de me vestir dans ça. Et il y a une question de les différentes communautés auxquelles on est connecté. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question, mais je pense que la communauté reste au cœur. Cette question de communauté reste au cœur de ça. Puis, ce n'est pas seulement l'équipe, c'est aussi la communauté qui m'entoure, que ce soit famille ou autre, ou amis avec qui on peut vraiment avoir des conversations plus profondes, qui puissent même me checker moi-même, non? Et qu'on puisse avoir des conversations de confiance qui sont vraiment très importantes.
Et je pense qu'au niveau de l'ONF, ça nous a permis aussi parce que, en fait, j'étais vraiment privilégiée d'avoir des productrices noires, de femmes noires, auxquelles il y avait certaines choses qu'on n'avait pas besoin de s'expliquer, quoi. Il y avait des choses qu'on pouvait, qu'on s'entendait à ce niveau-là. Même au niveau de la post-production, hein, quand on est en train de construire l'histoire, il y a certaines choses qui prennent priorité sur d'autres choses, hein. Et donc, la capacité de pouvoir créer cette communauté de confiance où on peut vraiment se parler en vérité et piocher, et crever un peu plus profondément pour que à la fin, on est au-delà de ça. On a passé un processus de, le mot n'est pas amélioration, mais de changement, hein, de transformation pour tout le monde. Merci beaucoup, Michel. Et ça me fait penser justement à la question des traumatismes. Et ça, j'ai envie de lancer la première question à Will par rapport à cette question de traumatisme. En introduction, Will, tu nous as parlé d'un film sur lequel tu travailles, donc il n'est pas encore en production, j'imagine. L'histoire de Freddy Villanueva, qui, par rapport à toi, en fait, était impliqué, tu connais la famille, tu es quelqu'un qui est très impliqué à Montréal-Nord. J'imagine que travailler sur ce film-là peut ranimer certains traumatismes que tu as vécu personnellement. Comment tu fais pour... Et là, je pose la question à Will et on pourra en parler avec Valérie ou Nadine par la suite. Mais sur certains sujets que vous travaillez, comment vous faites pour gérer justement ces traumatismes-là, ces sentiments-là que vous avez? Qu'est-ce qui vous aide à traverser un petit peu le processus qui ne doit pas être évident nécessairement? Parce que surtout quand c'est un sujet d'actualité, on a la pression aussi. Du public, de l'opinion publique, des médias, etc. Donc, Will. Alors, quelle question? Je ne sais pas par où commencer avec cette question-là. Il y a tellement de choses à dire. Si on prend le sujet d'un film comme Freddy, que je porte depuis plus longtemps, moi, la première chose qui me vient en tête, c'est le combat de la famille et Liliane particulièrement, et comment ils ont fait ça avec beaucoup d'humilité, beaucoup de courage, beaucoup de force, beaucoup de vigueur, toujours en étant du bon côté de l'histoire, selon moi. Et ça, je trouve qu'il y a une grande richesse qu'on ne connaît pas quand on regarde comment ils ont été bafoués dans les médias, médiatiquement. Je pense que beaucoup d'entre nous qui sont ici présents peuvent reconnaître des gens dans nos communautés qu'on a vu se faire heurter par les médias. Et on a tous une histoire par rapport à ça. Nos pays, c'est la même chose. On se fait toujours ramasser de cette manière-là. Fait que les traumas sont énormes quand on porte des films à l'écran. Tu sais, je pense aux films de Gentil. Je pense même à ce que Valérie a fait pour Neuf. Je pense même à ce que Michel a fait. C'est toutes des œuvres qui sont portées pour des situations qui sont quand même assez lourdes, que des gens vivent des crises dans l'instant présent. Tu sais. Et nous, à travers... Comme réalisateur et réalisatrice, on doit avoir une forme d'empathie, de compréhension jusqu'à où on va aussi dans ces images qu'on met de l'avant. Autant qu'on veut dénoncer quelque chose, autant qu'on vit avec des humains. Et en sachant qu'on vit avec des humains, ça fait comme une double pression sur nos épaules. Et ça, c'est pas facile à vivre parce que je sais quand je vais ouvrir ce film-là de Freddy Villanueva, quand je vais parler avec la famille, je sais que je vais ouvrir des portes. Comment je me prépare à ouvrir ces portes-là qui sont encore douloureuses pour la famille et qui sont même douloureuses pour moi aussi pour avoir vécu auprès de la famille, puis je sais qu'est-ce que ça va provoquer. Donc, il y a tout ce travail de réflexion-là qui est quand même assez lourd. Et puis moi, je parle même des traumas parce qu'il y a aussi les enjeux systémiques. Mais quand tu portes ça aussi dans ta vie au quotidien, tu sais, la plupart d'entre nous, on est rarement interpellés pour parler de l'artiste, des artistes que nous sommes. On est interpellés pour parler de la diversité, parler d'être noir, parler de ci. Quand on est interpellé dans les médias, si c'était pour l'art, c'est un privilège d'avoir la liberté de parler seulement de ton art. Moi, c'est ce que j'aimerais faire. J'aimerais juste parler de cinéma. C'est ce que j'adore faire dans la vie. Mais je suis continuellement interpellé pour parler de d'autres choses et ainsi de suite. Je veux porter ces combats-là parce que je crois qu'ils sont importants pour libérer ceux qui viennent après nous, pour faire en sorte qu'eux n'ont pas à parler de ça puis qu'ils peuvent juste pousser leur part. Et ça, je trouve que c'est un luxe qu'on pourrait avoir. Puis en même temps, je reconnais aussi systématiquement, je vais le dire systématiquement, les aînés, les gens qui étaient
avant nous, qui, eux, systématiquement, se sont fait barrer des portes, qui n'ont pas eu certaines opportunités qu'on arrive à avoir aujourd'hui. Et je pense à ma mère, notamment. Ma mère, elle a eu 3 enfants à un jeune âge, puis elle voulait écrire des livres, elle voulait faire ce type de processus-là. Et là, c'est une autre génération qui embarque, qui est en train de le faire pour elle, tu sais. Et ça, ce sont d'autres barrières que je me dois d'être reconnaissant pour tout le travail que les ancêtres, les autres personnes qui étaient là auparavant, qui ont fait pour nous. Et c'est ça, tu sais. Puis on ne parle même pas des personnes qui sont interpellées par les communautés LGBTQ, du sexisme, du si. Quand tu as juste à parler de ton film, c'est tout un luxe. J'aimerais faire ça. Juste me focusser là-dessus. Puis c'est dans la création aussi, parce que quand on est dans la création, on est en train d'écrire, mais en même temps, hey, il y a telle chose qui se passe, il y a quelqu'un qui est arrivé quelque chose, tu peux parler de ce sujet-là qui est arrivé. Ah oui, on parle de liberté académique, il y a la liberté artistique. On est toujours brassé continuellement par rapport à ces sujets-là, tandis que d'autres personnes, je sais, ça se concentrer là-dessus. Merci beaucoup, Will. On va prendre une question de l'audience. Quels sont les commentaires des spectateurs qui ont vu vos documentaires? Est-ce que vos films font du bien? Alors, je laisserai Valérie répondre à cette question et ensuite, on pourrait poser la question à Nadine aussi. D'accord. Moi, j'ai l'impression que il y a eu comme un certain impact avec le film. Bon, je laisse le film parler pour lui-même et puis qu'il fasse son propre chemin. Une des meilleures rencontres que Tatiana et moi ayons eues était avec un groupe elles sont des préposées aux bénéficiaires, mais aussi des activistes pour le Labor Rights Movement qui opère à travers le pays. Et puis, elles ont pu amener le film dans diverses rencontres, soit entre elles-mêmes, à l'interne, ou pour un public plus large. Et le film a servi vraiment comme objet autour duquel on peut aborder des questions assez sensibles et puis avec comme une résonance émotionnelle avec une des personnes qui paraît dans le film, Roselyne Clément, et puis qui a comme partagé un témoignage très puissant. Donc je trouve que c'est vraiment ce genre d'interaction qui peut être très intéressant. C'est comme quand les gens s'empare du travail puis ils se trouvent là-dedans et puis ils en font ce qu'ils veulent vraiment. Et puis ça m'a beaucoup appris aussi sur les diverses possibilités. C'est pas seulement la visibilité qui mesure le succès. Je pense que c'est bien que plein d'institutions voudraient équivoquer chiffres et succès, mais je pense que c'est là où il y a comme un genre d'impact humain. Ça peut être intéressant, puis j'essaie de poursuivre ce genre de chemin à l'avenir. J'aimerais bien ça. Merci Valérie. Nadine, est-ce que les commentaires des gens qui ont vu vos films, est-ce que c'est des films qui font du bien? Je pense que j'ai fait un film, tu sais, je serais curieuse de poser la question à Gentil, justement, parce que je suis vraiment curieuse de la réception de son film, mais donc je ne parlerai pas trop longtemps. J'ai fait un film il y a comme plus qu'une dizaine d'années à l'école Étienne Brûlé avec qui examinait la situation des élèves racisés, principalement du Congo. Et de l'Afrique de l'Ouest qui arrivaient parfois seuls, parfois n'ayant pas vu leurs parents pendant des années, puis ça examinait le rôle, en fait, que l'école jouait dans leur intégration. Je pense que ça a été, en tout cas pour les jeunes, je pense que pour eux, c'était extraordinaire de se voir refléter à l'écran. Puis je pense qu'on a eu beaucoup de feedback de gens, en fait, qui connaissaient pas cette réalité-là, parce qu'il faut comprendre qu'être à Toronto puis être noir, francophone noir à Toronto, c'est qu'on est une minorité dans une minorité. Puis que souvent, ce qui prime, c'est l'espèce de lutte linguistique. Donc, tu sais, d'être noir à l'intérieur de ça, c'est encore plus difficile d'avoir une certaine visibilité puis d'avoir un impact.
Alors, oui, je crois que c'est important, mais je vais poser la question à Gentil parce que je suis vraiment curieuse. Moi, j'ai été agréablement surprise parce que mon film, c'est sorti en pleine pandémie et les réactions sur les réseaux sociaux ont été extraordinaires. Pourquoi? Parce que je m'attendais, quand j'ai commencé par travailler, par développer ce projet-là, sortir de l'ombre, je l'ai dit à la productrice avec qui je travaillais en lui disant, ce sujet-là, quand je vais l'aborder, je vais me mettre à dos la communauté noire. Pourquoi? Parce que on aura l'impression que je montre une problématique que vit la communauté noire. Mais en tant que femme, j'ai la responsabilité d'aborder un tel sujet du point de vue d'une femme noire qui est entourée par des femmes noires immigrantes qui vivent cette situation. Pas pour dire que c'est un problème de noirs, non. Les médias nous l'ont prouvé aujourd'hui que la violence conjugale, ça concerne tout le monde. Mais pour dire, voyez ce que vous voyez déjà au journal. Quand on parle de violence conjugale, quand des gens témoignent, et Ingrid Falaise, par exemple, est connue pour avoir parlé de ce sujet-là, quand on en parle, on oublie cette proportion, cette femme-là, ce groupe de femmes qui vivent les mêmes problématiques, mais avec une coche de difficulté de plus parce qu'elles sont noires, parce qu'elles sont une minorité visible et parce qu'on balaie de la main leur intelligence. Donc, pour moi, il y avait cette équation-là et il y avait une grosse nuance à faire. Donc, je m'attendais vraiment à me faire lapider par la communauté qui m'en voudrait de donner une raison de dire que nous, les Noirs, nous ne savons pas vivre, nous n'avons pas de l'éducation. Mais je pense que le travail, ayant ça en tête, ça nous a permis à toute l'équipe de vraiment faire attention, de s'assurer que le message est clair, le message reste universel dans un certain sens. Et je me dis, vu pour répondre à la question, vu les réactions, ça a été bien reçu. Beaucoup de personnes qui connaissent cette situation, qui se sentent concernées, ont témoigné, ont dit combien ça leur a fait du bien. Nous avons reçu des messages en privé et l'ONF aussi a reçu beaucoup de messages et même au niveau international parce que quand le film a été ouvert sur l'international, il y a eu beaucoup, beaucoup de femmes, de groupes qui ont bien réagi. La réception a été très positive. Ce qui m'amène, et surtout du côté des femmes, des Québécoises souches. C'est ça qui a été très surprenant. Québécoises de souches. Pourquoi je le dis? Parce que je m'attendais à ce que beaucoup disent que c'est une histoire d'immigrants, donc ça ne nous concerne pas. Parce que justement, en télévision, j'ai longtemps travaillé en télévision. Depuis que je suis venue ici, j'ai travaillé de l'intérieur et j'ai assisté à beaucoup de rencontres au point d'être arrivée à me dire, OK, je suis noire, je suis immigrante, ce que je pense, ce que je sais n'a pas d'importance dans le contenu télévisuel de là où je travaille et j'ai appris à me taire. Raison pour laquelle, pendant près de 10 ans, j'ai travaillé qu'en gestion, comme quelque chose du côté de la gestion, mais pas dans le contenu. Et maintenant, avec les belles réactions que j'ai reçues, ça m'a confirmé que mes intuitions étaient bonnes, que ce message qu'on nous renvoie, nous, en tant que personnes racisées, que les messages qu'on porte n'ont pas tellement d'importance. Des fois, je vais me permettre de le dire, le public n'est pas prêt. Quand on nous dit le public n'est pas prêt encore à ce genre de sujet, c'est une fausse histoire et il est temps que tout le monde comprenne que tous les publics sont prêts pour tous les sujets. Mon film me l'a prouvé. Merci, Gentil.
Merci Nadine. On va prendre la dernière question du public. Il nous reste environ 5 minutes. J'ai essayé de pousser un petit peu plus parce que j'ai une question que j'aimerais vraiment vous poser. On a une question du public et c'est la suivante. Sentez-vous libre de répondre tout le monde? Comment une boîte de production peut-elle garantir un espace sûr et inclusif pour que les cinéastes puissent donner le meilleur d'eux-mêmes? Alors, qui veut se lancer? C'est une question assez... il faut dire les vraies choses, là. C'est le moment de dire les vraies choses. Je vais prendre le risque. Je vais prendre le risque parce que j'ai travaillé dans des boîtes de production. Puis, je suis arrivée actuellement à prendre le risque de partir une boîte de production. Et justement, la raison pour laquelle je me suis lancée comme ça, c'est parce que j'aimerais donner cet espace-là aux gens, qu'ils se sentent à l'aise, peu importe leur origine, peu importe le type d'histoire qu'ils veulent raconter, de se sentir en sécurité, de se sentir accepté. Parce que moi, ça a été très difficile pour moi de vivre pendant près de 10 ans à me dire ce que j'ai à dire n'a pas d'importance. Parce que je me suis souvent fait dire dans des réunions de façon très gentille, très subtile et tout, que je suis là pour écouter, pour exécuter. Et mes idées ne sont pas si importantes que ça. Et aussi, le fait que je sois immigrante a toujours été quelque chose qu'on voit avant, comme si je devrais me sentir chanceuse d'être là, comme si c'était une grâce qu'on me fait. Donc, aujourd'hui, les institutions, le FMC est en train de faire un travail extraordinaire, d'essayer de créer des espaces comme ça, mais reste cette limite-là de diffuseurs qui, malheureusement, ont la clé des décisions quand on va chercher du financement. Donc, c'est tout un combat. Et pour moi, je me suis lancée. Donc, tout ça pour dire, une boîte de production, peu importe sa ligne éditoriale, devrait rester ouverte à l'idée que peu importe l'origine, peu importe que ce soit un noir ou un blanc, qu'on ne se limite pas à ça et qu'on explore des sujets selon leur potentiel pour permettre à ces personnes-là de se sentir en sécurité, d'avoir la liberté de présenter, d'avancer. Parfait, merci, gentil. Donc, on retient l'écoute. Est-ce qu'il y a une autre personne qui voudrait Je voulais juste ajouter à ça. C'est pas seulement une question de rester ouvert parce que on se dit, moi je suis ouverte. Je pense que je ne suis pas raciste. Il faut mettre en pratique des modalités de se checker. Il faut que ce soit concret parce que sinon on s'appuie à l'inconscient. Et l'inconscient est raciste parce que c'est ce qu'on absorbe quand on grandit. Hein? Donc il faut avoir une auto-conscience où l'environnement de confiance est assez pour qu'on puisse partager et pouvoir se checker. Donc il faut qu'il y ait une institution comme il y a maintenant à l'ONF. Représentante de diversité, équité et inclusion, quelles sont les démarches concrètes de... Je trouve pas le mot, pardon. Mon français, je suis en train de perdre mon français parce que j'ai passé trop de temps à Brooklyn. Mais où sont ces modalités d'accountability? Accountability. Hein? Et c'est plus que la représentation. C'est vraiment questionner la pratique. Quelle est la pratique que je mets en question? Quand je vois ce résumé, quand je vois cet autre résumé, où vient mon inconscient et où vient ma façon de voir les choses que je puisse pas me justifier nécessairement pour mes questions? Donc, je pense que c'est plus qu'être ouvert. On a déjà pas mal entendu que nous sommes ouverts. Merci beaucoup, Michel. Est-ce que Valérie, Nadine ou Will, vous voulez rajouter quelque chose? Parce que je vais
faire, on va être obligé de conclure. Est-ce que... Non, je redouble sur le point de Michel, là, sur la fragilité. Je pense que c'est tout à fait à propos, quand on parle du milieu québécois, canadien, c'est comme il y a... J'entends beaucoup cette question, que devrais-je faire pour être tolérant? Et puis, des fois, ce que j'entends, c'est plutôt... c'est comme une quête d'être perçu comme étant vertueux, plutôt que de faire le travail de c'est plus performatif. Oui, voilà, c'est ça. Donc... Tout à fait. Merci beaucoup. Merci à vous tous et à vous toutes d'avoir été là avec nous aujourd'hui. Merci aux gens qui nous écoutaient à la maison aujourd'hui. Ça nous a fait plaisir d'être avec vous. Vous allez pouvoir voir tous les films des cinéastes qui étaient avec nous aujourd'hui sur le site de l'ONF. Donc, vous pouvez aller sur le site de l'ONF pour pouvoir voir les films. Cette conversation, elle avait eu lieu dans le cadre du mois d'histoire des Noirs. Donc, il y a beaucoup d'activités au programme. Donc, je vous invite à aller voir sur le site du mois d'histoire des Noirs.com les activités au programme. Je pense que l'ONF a toute une programmation aussi pendant le mois. Il y a une autre discussion qui va avoir lieu demain. Donc, je vous remercie et je vous invite à aller voir toute la programmation. Je remercie les panélistes pour votre générosité aujourd'hui. Une heure, ce n'est pas assez pour vous parler. J'aurais pu continuer encore longtemps. Donc, merci. Bravo pour tout ce que vous faites. Continuez. Je sais que ce n'est pas facile, surtout dans ce milieu-là. On a tendance à avoir le poids de représenter la communauté. Donc, ça, c'était une question que je voulais vous lancer, mais malheureusement, on manque de temps. Mais félicitations et je sais que ce n'est pas facile. Donc, bravo pour tout ce que vous faites. Vous pouvez suivre l'ONF sur Twitter et Facebook afin d'avoir plus de renseignements sur les autres activités. Et comme je vous dis, c'est le mois d'histoire des Noirs. Merci d'avoir été là. Merci Rachel, merci Claude. Et j'espère vous voir bientôt.